Salut à tous, bienvenue sur Geese Gaming, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Osiris New Dawn. Alors, on doit être au jour 2, j'ai eu quelques aliens déjà qui m'ont un peu ennuyé, je cherche toujours du plutonium pour faire une forge, voilà où est-ce qu'on en est. Alors, normalement j'ai le petit robot qui est quelque part par là. Qui était par là. Ah, il est là. Je vais aller le chercher. Je vais lui dire de rester avec moi. Allez, follow me. Voilà. Alors, maintenant, le but va être de trouver du plutonium, je crois. Ça, ça n'a pas l'air d'en être. Donc, je me suis pas trop renseigné entre-temps sur le jeu. Mais bon, on va bien trouver. Hop, yo. On faut ramasser quand même. Ouais, elle a l'air de faire chaud là. Donc, on va reprendre. Où est-ce que j'en étais? Alors, j'avais mis le flingue en 1. C'était mieux. Parce que tout le monde veut ma peau dans ce jeu. Alors, voyons voir. Objectif, trouver du plutonium. Si je me souviens bien, on retrouve ici. Utility ou structure. Utility, il nous fallait une forge. Titane, fer et plutonium. Normalement, le titane et le fer, j'ai ce qu'il faut. C'est le plutonium qui manque. Bon, on va miner un peu quand même. Hop, yo. Ah. J'ai pas mis quelque chose de la situation. J'ai pas mis le son très fort parce que je le trouve assez fort dans le jeu. Donc, j'ai pas forcément entendu la bestiole arriver. Donc, je vais monter un peu au casque. Hein. Voilà. Ça, ça me permet de me soigner un peu. On va le pick-up quand même. Ça, ça serait bien ou pas? Ah ouais. Ça, ça fait quoi? Ingrédients. Tic. Tic. Alors, les oursins, on va encore éviter. J'ai appris de mes erreurs. Bon, j'ai décidé de partir tout droit dans cette direction. Hein. On verra bien ce qu'on y trouve. Bon, en tout cas, de quoi miner, il y en a. Il n'y a plus qu'à trouver la bonne ressource. Il a tiré lui. Ah, j'adore les traces de pas. Je les ai pas vues. Reload. Oula. Là-bas, ça pue. Ça pue grave. Là, ça a disparu. Ok. Je sais pas ce que c'est ce minerai en bas, mais... Putain, il y a un magnifique désert par là-bas. Ah, c'est pas que ça avait disparu, c'est que ça s'était planqué. Ah, tac. Est-ce qu'il me reste beaucoup de munitions? Je sais pas. Par contre, ça là, c'est un peu gros quoi. Oh, mais ça a l'air mignon. Tout ça pour du magnésium. Allez,
ben, quitte à mourir, autant mourir bravement. Là, je suis pas serein. Allez. De l'autre côté, j'ai pas trouvé mon plutonium. Je peux mourir. Putain, ça a l'air gros quand même. Déjà que c'est la grosse vue de loin. Ah ouais, en plus c'est un petit. Oh. C'est tout? Oh putain. On va faire une montagne. Yarf. Ya. Sale bête. T'es buté. Voilà, c'est petit ce que je suis en train de faire. Yeah. Oh, je l'ai snipé. Ah, oh, c'était pas simple. Bon, ouais. C'est. Moi, je veux survivre. Hein. Du titanium, ça, c'est bien. Donc, je sais qu'il y en a par là. Magnésium, titanium, bon, je vais pas tout ramasser non plus, hein. J'ai des objectifs, on va dire. Pas garder ça dans la main. Vous verrez si il est bug. Bon. C'est joli, mais je trouve pas ce que je cherche. Hein. Allez. On perd pas espoir. On va monter un peu. J'aurai une meilleure vue d'en haut, toujours. Oh putain. Ouais, parce que j'ai. Faut à mon avis quand même un peu économiser les munitions. Hein. Pour l'instant, je sais pas comment on les craft. Hein. Je vais pas regarder, vous me direz. S'il faut, je peux y aller comme un goré, ça se craft super vite. C'est vert là-bas. Ça me plaît. Par contre, passer le gros passage à découvert là, ça me plaît pas. Flingue, c'était pas trop. Ah, il était adulte, lui. J'ai pas. Du coup, je sais pas ce que. Je viens de voir les météorites tomber là. Ça a l'air super, mais. De jeu un poil stressant. Là il y a des météorites qui sont tombées, ça a l'air magnifique. Mais je sais pas où elles sont tombées par contre.
S'il faut, c'était super loin. Ou s'il faut, c'était juste de l'effet visuel. Oh putain. Espèce de tortue là. On va éviter. J'essaie de repartir vers mon point vert. Je crois que j'en ai vu à gauche, mais. Si je trouve du plutonium, je le farm. Là-bas. J'ai l'impression que ça se trouve dans des coins merdiques. Écoutez. Je crois que j'ai plus de chargeur. Ça pue. Il fait trop chaud. Dumbo. Fucking crab. Ah, c'est ça que je veux. C'est pas mal, hein. On se casse. Oh putain, il est déjà là, lui. Ah, le pistolet à boulette là, il fait très dalle comme dégâts. Faut que vous vous la tête, hein. Non, mais on s'y fait au pistolet à boulette, hein, mais. Faut être motivé, quoi. Passer mon diplôme de cuisinier extraterrestre. La viande que je chope. Allez, viens là. Alors, les oursins. On évite. Oh, c'est beau. Ah, c'est pas du plutonium par contre. On va faire des batteries. Encore que je suis même pas sûr de pouvoir le faire vu que j'ai pas les forges pour fondre tous les minerais. Il y a un trou là. Putain, l'envie d'explorer et la peur de mourir. Les deux, mon cœur balance. Grosse, grosse peur de mourir. J'ai peur de mourir à la surface. Alors, dans un trou, hein. Faut pas être con quand même. Hein. Avec mon pistolet à boulettes, j'y vais pas quoi. C'est que je sais pas où je suis. Tu vois. Tiens, ça ressemble encore à du lithium, ça là-bas. C'est pas du tout ce que je cherche. Putain, où est-ce qu'ils l'ont foutu là? Ce que je cherche. C'est pas un petit peu stressant, non? J'ai pas décidé de me foutre les miquettes. Un miquette crabe là-bas. Si j'y arrive. Allez. Ah putain. Allez. Tchou tchou tchou. Thank you.
Ouais, voilà, on va arrêter d'être con. Hein. Oui. Ah, le pistolet à boulette. Oh, il est efficace, hein. C'est pas le contraire. Merci. Je vais tout prendre là, hein. On sait jamais. Je reviens pas. Ça c'est quoi? Encombré. Ça c'est du magnésium, je pense. Alors, voyons voir. Le plutonium, ça a l'air de peser lourd. Le magnésium, on va le stacker. Bon, déjà, j'ai trouvé le plutonium. J'ai bien fait d'aller en cratère. Il y avait enfin, des choses dans le nom, c'est qu'il y avait souvent des choses intéressantes. Pas quoi ça. Voilà, on va pas se laisser effrayer par des bébêtes. Hein. Enfin, on va surtout on va pas le dire qu'on est effrayé par les petites bêtes. Bon, ben, sans déconner, il est limite un peu angoissant quand même ce jeu. Pourquoi il faut que j'aille voir mon personnage assistant? Pas lui que je veux. Oh ouais, mais si en plus je suis paumé, ça va pas le faire. Ah ouais. Ah, si je clique, ça permet de voir. Oh cool. Ça me donne la position de mon dôme. Ah, j'ai plus de munitions. Je savais bien que ça finirait par arriver. Alors, on va rentrer vite à la maison. Vite, vite, vite. Parce qu'en plus, forcément, à un moment ou à un autre, il va se mettre à faire nuit. Ah, la bonne idée aussi. Je vais faire un tour dans le cratère quand même. C'est moi, il y en a là aussi. Je suis sûr qu'il y a un crabe qui se planque. Combien je vais en avoir besoin, mais. Ouais. Voilà. J'ai comment j'ai galéré pour le trouver. J'en prends. Après, galérer, c'est inutile. J'ai pas fait le tour de la map. Hein. La gauche, un mec inquiet, c'est tout. Voilà, retour maison. Prends le pistolet à bouboule. On court. C'est par là, on court. Tout droit. On vérifie qu'il n'y a pas un crabe qui se balade.
autre, allons-moi. Allez, 600 mètres, on est presque. L'ambiance est quand même assez oppressante, faut le dire. Le grand désert. J'ai cru voir une histoire de vers des sables à la dune, genre dans le trailer. Ça me donne pas du tout envie de foutre un pied dans le désert. Mais pas du tout. Hein. L'éclairage, je pense que le soleil se couche. Voilà, là on est retourné à l'endroit du premier crabe. Entre le crabe et le ver des sables, il faut choisir. Choisir pas les deux. Choisis le ver. Le ver, quand on le tire dans la tête, il recule. Et tu m'aides pas toi? Ok, ça se prend du verre de terre. Jamais il fait mal mon petit. 4, 4, 4. Et soif, ça va pas du tout. Pression extérieure, ça va pas. Faim, ça va pas. On va descendre. Ça va un peu mieux. Ouais, parce qu'il faut gérer ça aussi. C'est pas tout de trouver du plutonium, quoi. Je ne montrerai plus que mon personnage se met à faire une dépression et on est bon, tiens. Bon, oui. Titanium et Iron, j'en ai pas. J'ai du tout filé au robot. Collecteur d'excréments. Ouais. Ou alors c'est un problème de traduction. On se casse. J'adore la tronche de ce marteau. Ça te casse pas. Allez, 300 mètres, c'est par ici. Je vais encombrer, je peux plus courir. Il est lourd. Lui aussi il est encombré. Ah bah bravo. Stack, l'olive en stack, lithium, ah oui, alors c'est ça le lithium, j'ai oublié. Ah ça y est, il faut faire nuit, super.
copain. Copain de rue, aide-moi. S'il te plaît. Shot. Ah mais il fait encore moins de dégâts que moi lui. Ah bah j'ai réussi quand même. Faut vraiment que je m'arme. Je vais pas tenir longtemps dans ce jeu si je m'arme pas. Déjà j'ai une arme de poche. Je suis super bien armé. Ah bah on court plus vite avec la. Avec l'outil. On va savoir. Pour prendre la fuite, c'est comme ça qu'on fait. On évite les oursins et on court tout droit, tout droit, tout droit. Alors que je répare mon dôme aussi un jour. Bon, j'ai pas de repère. Tant pis. Alors, repère, nice. Ouais, il y a plein de trucs. On va stacker. Iron, j'en ai un peu besoin. Alors, la viande de monstre. On va foutre ça au coffre. C'est dégueulasse. Ah, il y a une mythe. Ah non, c'est dégueulasse, ce truc. Hein. Du crabe. Si on fait sorte, c'est ce que ça stack. Peut-être. Alors, du lithium. Il y a bon. Est-ce que ça va stacker? Ouais, ça a l'air d'avoir stacké. Ça comme ça c'est bien tac perp alors t'es quoi très encombré. On va ranger le plutonium qu'on a gagné. Alors, qu'est-ce qu'il me faut déjà? Titanium, plutonium, iron. Alors, magnésium orange. Titanium orange. Copper. Ah, ça y est. On va la mettre. Putain, je suis pas fichu de comprendre comment ça marche. Si j'ai. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il faut maintenir appuyé. Que je suis pas foutu de maintenir un bouton appuyé. Du coup, je vais être obligé de réparer la pogne. Donc maintenant, comment ça marche? J'ai une forge et j'ai plus de. Et j'ai plus de tuto. Au moins, il commence à marcher. Comment prendre la barre? Ouais. Ça me fait monter mon XP. Ça me fait... C'est où les munitions? Style.
petit ami. On peut griller la viande d'alien. Gros coup de la dégueulasse. Une pelle. Et là on peut mettre son minerai. Si j'ai bien compris. J'aurais dû coller la forge à côté du truc. Trop con. Ça arrive, hein. Ça s'appelle ne pas connaître le jeu. La prochaine fois, je le ferai. Ah, je peux encore marcher. Hop, inventory. Voilà, shift-click. Hop, on a la dette radio. On cherche un peu les raccourcis. Ah, il n'y a plus de place. Donc ça, je vais pouvoir le crafter. Alors, flashlight batterie. Comment on craft? Ah, moitié appuyé. Pas de place dans mon storage. Ça m'a niqué les ressources, le cadeau. Ah, oh, ça m'a pas fait plaisir, ça. J'ai pris le rock. C'est cool. J'ai pas stylé. Ah, une voiture avec des niches d'expertise. Je peux pas faire de... Ah, je vous ai dit que le lithium ça servait à faire des batteries. On va aller sauvegarder. Donc j'ai réussi à faire la forge. Mieux dedans. Ils ont envie de mettre de la lumière non plus dedans. Si, un petit peu. Je suis déshydraté. Super. Ça va mieux. Putain, maintenant il faut trouver de l'eau. Super. On mange une patate, pas cogné. Voilà, donc ça c'est pas mal. Ah ouais, peut-être que je vais pouvoir. Vivipon, il faut que je trouve de quoi faire. Timecrafting, je sais faire que ça quoi, on dirait. Skill web. J'ai 5 combat points. Ah, je peux trouver des trucs. Engineering point. Droid storage. Science point. Monstre mécanique. Véhicule, la construction. Greenhouse. Et alors. Pour construire un périmètre défensif. Upgrade munition, weapon training, melee training. Ça c'est à qui? Ah voilà. Ah mais je l'avais pas en fait. Heavy weapon. Ah, c'est bien ça. Small gun, light weapon training 1. Light Weapon Training. Oh, bon, on va faire ça. Hein.
Donc ça, je crois que j'ai déjà compris le système de points. Donc maintenant, théoriquement, je ne suis pas de conneries. Assourifeuille. Tic, tic. Ah, ça, ça fait plaisir. Et on va pouvoir recharger la souris. Et normalement, il devrait déboîter. Ah, on refait le plein d'oxygène. Et on va save. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste? Ça, ça. Eh ben. De la lumière avec des styles, des câbles, un beacon, des mines. Donc il reste plein de choses à faire, beaucoup de choses à découvrir, on dirait. Ça, il faut que je fasse aussi. Oh, le biodôme, il est beau. Bon, mais pour l'instant, on va. J'ai des points aussi à mettre ici. Je les mettrai la prochaine fois. Je vais vous laisser là. On survivra demain à une nouvelle journée. Donc, à bientôt dans le jeu. Amusez-vous bien. Ciao, ciao!